Je vous remercie d'être présents si nombreux en ce samedi 29 octobre pour dire non aux clandestins de Calais, à Chardonnay, à Digoin et dans toutes les communes de Saône-et-Loire. Je tiens également à remercier M. Genet, maire de Digoin, qui en tant que véritable démocrate et républicain a accepté que nous tenions ce rassemblement pacifique. A l'inverse, nous déplorons l'agitation, la haine et la violence que véhiculent quelques nervis d'extrême gauche. Ce sont eux les véritables haineux, ce sont eux les véritables antidémocrates, ce sont eux les véritables anti-républicains, ce sont eux qui ne respectent pas la volonté du peuple, pour le peuple et par le peuple. Remercions-les d'une chose, grâce à eux, notre rassemblement a davantage été médiatisé. Je pense qu'on peut déjà les applaudir pour leur dire merci. Ce sont eux qui ne respectent pas la légitimité des élus patriotes du Front National, pourtant élus démocratiquement par les Français. Je tiens également à remercier les forces de l'ordre, qui sont mobilisées tout au long de l'année pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je les remercie d'autant plus aujourd'hui pour la sécurité qu'ils assurent quant au déroulement serein et pacifique de notre rassemblement, alors que certains groupuscules d'extrême gauche n'ont eu de cesse d'appeler à la contre-manifestation, voire, pire, aux troupes de l'ordre public. Et pour enfoncer le clou, un sondage du jour, effectué en ligne sur le site du journal de Saône-et-Loire, confirme que 71% des lecteurs, dont très représentatifs de la population de Saône-et-Loire, sont pour l'autorisation de notre rassemblement. N'en déplaise à l'extrême gauche, une fois de plus, le peuple soutient Marine Le Pen et le Front National. Après des années d'occupation illégale du site, sans que l'État ne réagisse, constitue, faute d'une politique visant à arrêter l'accueil des migrants et par extension à arrêter l'immigration massive, un coup d'épée dans l'eau qui n'empêchera aucunement l'émergence de nouveaux camps dans la région de Calais ou ailleurs en France. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, dès lors que le flux des migrants arrivant sur notre territoire se maintient à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Nous continuerons d'assister au développement anarchique de bidonvilles, du type de celui de Calais sur notre territoire. En outre, le plan de répartition des migrants de la jungle, qui comptait officiellement environ 10 000 individus, essentiellement des hommes adultes, et non pas que des familles, où sont les femmes, où sont les enfants, est de nature à créer de nombreux problèmes dans les villes et villages d'accueil, dont les populations n'ont jamais été consultées. Pourquoi ne sommes-nous pas consultés par voie de référendum dans nos communes pour accepter ou refuser l'installation de migrants? Les dirigeants de l'RPES ont-ils peur de résultats de ces référendums? Résoudre durablement cette crise migratoire sur le sol français nécessiterait de mettre un terme à la folle politique d'accueil des migrants voulue par l'Union européenne et qui n'a rien de politique humaniste vendue par le gouvernement socialiste. En effet, il n'y a rien d'humaniste à faire le jeu des passeurs criminels en recevant des individus entrés illégalement sur notre territoire. Il n'y a rien d'humaniste à permettre l'émergence de bidonvilles en France, preuve de la capacité de notre pays à faire face, ne serait-ce qu'au niveau de ses structures d'accueil, où prospèrent toutes les formes d'insécurité physique, matérielle, sanitaire, social, pour les migrants eux-mêmes comme pour les riverains. Il n'y a rien d'humaniste à faire croire à des populations en manque de tout, très éloignées de notre culture, qu'elles pourraient avoir un avenir en France, alors que notre pays n'a rien à leur offrir, à commencer par de l'emploi. Et que l'immigration massive y est déjà à l'origine de problèmes sociaux et identitaires conséquents. Il faut donc se libérer des contraintes européennes, rejeter les plans de répartition forcée, retrouver des frontières nationales et réformer le droit d'asile pour la ramener à sa conception d'origine, celle de la protection contre des persécutions politiques. Le Front National réclame que les demandes soient traitées et instruites dans des camps de réfugiés internationaux gérés par le HCR, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'humanité consiste à agir beaucoup plus fortement à l'international pour que, d'une part, les migrants soient pris en charge à proximité de leur pays d'origine et, d'autre part, que notre politique étrangère cesse d'inciter à la déstabilisation de territoires entiers, notamment en Libye et en Syrie, où le seul ennemi à combattre doit être l'État islamique et ses supplétifs. Et que dire des propos hallucinants tenus par la préfète du Pas-de-Calais, expliquant que les incendies ayant embrasé la jungle de Calais relèvent de la tradition des populations migrantes. Les élus de l'ARPES n'ont de cesse de dire que cette folle politique ne coûte rien aux contribuables. C'est faux et archi-faux. La majorité socialiste et ses alliés, LR, UDI, ont voté un plan de financement d'action, d'apprentissage du français à destination des clandestins. Cette somme s'élève à plus de 100 000 €. Ce sont vos impôts, ce sont nos impôts. Ajoutez-y les 1 000 € alloués par l'État et les 1 000 € versés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La facture s'avère importante. Elle est supportée par le contribuable français à travers nos impôts. Devinez quels ont été les seuls élus à s'y opposer au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Sophie Montel et les élus du groupe Les Patriotes Front National qu'elle préside. Bravo. Par ailleurs, j'invite les maires de Saône-et-Loire à signer la charte « Ma commune sans migrants », charte que j'ai moi-même proposée au conseil municipal de Montceau-les-Mines, où la majorité LR a courageusement voté contre. C'est la meilleure démonstration que ni Sarkozy, ni Juppé, ni Hollande trouveront une solution à ce problème. Ils sont responsables de cette situation et n'y changeront rien. Preuve en est, Sarkozy appelle à voter Hollande face à Marine Le Pen, et le PS, lui, appelle à voter les Républicains face au FN. Moralité, seule Marine Le Pen représente l'espoir pour le redressement de la France. La France apaisée, c'est possible avec Marine Le Pen. Et nous y arriverons grâce à votre mobilisation pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la France et des Français. Marine Le Pen y parviendra au nom du peuple, car c'est l'essence même de tout engagement politique. Une évidence incarnée par Marine Le Pen, mais oubliée par les tenants d'un système qui s'est construit contre le peuple. Alors, en 2017, au nom du peuple, élisons Marine Le Pen à la présidence de la République française. Marine présidente, Marine présidente, Marine présidente, Marine présidente, Marine présidente, Marine présidente. Je tenais à tous vous remercier, vous qui êtes présents ici, et je tenais encore plus à vous remercier pour votre tenue des plus exemplaires face à ces milices d'extrême gauche qui, elles, ne le sont pas. La démonstration en est faite aujourd'hui dans la presse, la Ligue des droits de l'homme, le Parti communiste, le Parti socialiste et tous leurs supplétifs n'ont eu de cesse de nous dire « Vous allez voir la manifestation qu'organise le Front National de Saône-et-Loire, ça va mal se passer, il va y avoir des problèmes. » Quel problème? Il n'y en a aucun, car nous sommes de vrais républicains, de vrais patriotes. Et aux prochaines élections présidentielles, nous le prouverons tous en faisant élire Marine Le Pen à la présidence de la République française. Bonjour à tous. Bon, Lilian Noirot a déjà fait le tour de la question. Nous sommes ici, c'est sûr, tous pour la même chose. Nous dénonçons fortement l'arrivée de migrants chez nous. L'argent dépensé pour ces demandeurs d'asile devrait plutôt servir à l'implantation de commerces de proximité, d'aide à l'installation de structures médicales, d'aide à nos patriotes les plus démunis. Que font nos municipalités? Rien, naturellement. Pendant que nos concitoyens dorment sous les ponts, nos retraités ont du mal à se nourrir, se loger et font les poubelles pour survivre. Nous continuons à entasser des migrants dans nos châteaux, nos écoles désertes de nos communes rurales. Exemple, Chardonnay, commune de 199 habitants, où nous avons vu arriver 22 migrants. Et un autre exemple, Vérove, qui s'était vu imposer 150 migrants pour 450 habitants. C'est énorme. Vous, Tiguanais, Tiguanaises, vous avez dû accueillir 25 migrants. Y a-t-il eu concertation? Non. Vous a-t-on demandé votre avis? Non. Jusqu'où cela va-t-il aller? Devrons-nous accueillir des migrants chez nous? Peut-être. Le PS, les Républicains, n'ont cesse de nous montrer du doigt. Ils veulent des migrants, ils n'ont qu'à les accueillir chez eux, les nourrir, les loger. Et non les loger, les nourrir avec l'argent du contribuable. Disons stop, non à l'arrivée des migrants. Merci. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une même cause. Nous partageons un même sentiment de colère, de frustration, d'inquiétude aussi. Et avant de parler plus longuement des raisons de notre présence, j'aimerais faire une petite parenthèse. À plusieurs centaines de mètres de notre rassemblement, des hommes et des femmes manifestent également pour une raison exactement inverse de la nôtre. Parmi les manifestants, je suis sûr qu'il y a des gens sincères avec lesquels nous avons un désaccord politique, ce qui est bien normal en démocratie. Sont également présents là-bas cependant des activistes. Les droits des travailleurs sont attaqués avec la loi El Khomri, mais nos courageux syndicalistes ont décidé que le problème en France, c'était le Front National. C'est d'ailleurs devenu une obsession chez eux. La CGT propose même des stages à ses adhérents contre les patriotes, pour lutter contre les idées du Front National. C'est, je vais vous dire, pas étonnant du coup que plus personne ne se syndique en France. Et gageons d'ailleurs que le jour où les clandestins et les sans-papiers pourront se syndiquer, alors là, effectivement, le nombre d'adhérents explosera. Cette contre-manifestation, elle a été d'abord lancée et organisée par le Parti communiste français. Oui, ça existe encore. Alors, excusez-moi, mais je ne résiste pas à un petit plaisir, un plaisir de fin gourmet, qui est de vous rappeler ce que disait Georges Marchais au temps où le PCF s'intéressait encore aux travailleurs français. C'était le 6 janvier 1981. Georges Marchais disait, ouvrez les guillemets. En raison de la présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés et de membres de leurs familles, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. Il faut les regarder en face et prendre rapidement les mesures indispensables. La cote d'alerte est atteinte. C'est pourquoi nous disons, il faut arrêter l'immigration, sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il faut résoudre l'important problème posé dans la vie locale française par l'immigration. Se trouvent entassés dans ce qu'il faut bien appeler des ghettos, des travailleurs et des familles, aux traditions, aux langues et aux façons de vivre différentes. Cela crée des tensions et parfois des heurts entre immigrés de divers pays. Cela rend difficile leur relation avec les Français. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Georges Marchais. C'était il y a 35 ans et il avait compris. À côté donc de ces syndicats et de ces partis de gauche, se trouve toute une myriade d'associations dont pour certaines d'entre elles, on n'avait jamais entendu parler. Mais vous devriez en entendre parler puisque je vous rappelle quand même que ces associations vivent avec votre argent. Donc ces associations, en violation d'ailleurs de toutes les lois sur le financement des partis et des associations, font de la politique et font toujours d'ailleurs de la politique contre le Front National. Pourquoi alors cette hargne, pourquoi cette haine contre les patriotes? Mais c'est que, voyez-vous, l'immigration illégale est leur fonds de commerce. sans immigration illégale, plus de cause à défendre pour eux. Et sans cause à défendre, plus de subventions à réclamer. Imaginez, il faudrait même que ces gens-là aillent trouver un vrai travail. Forcément, inimaginable, inimaginable. Mais je suis heureux en tout cas de leur donner un peu d'activité aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils seront nombreux. Après tout, c'est tous les réseaux de la gauche morale qui ont été mobilisés. Cette mobilisation est par ailleurs incroyable. Juste d'ailleurs, petite parenthèse, tout ce beau monde au début souhaitait interdire notre manifestation. Pas simplement contre-manifester, interdire notre manifestation. Notez d'ailleurs l'ironie à ce que la Ligue des droits de l'homme veuille interdire une manifestation alors que la manifestation est un droit inscrit dans la Constitution française. Enfin bref. On a donc réussi à liguer contre nous la Ligue des droits de l'homme, section de Paray-le-Monial, les Amis du CADA, le collectif Accueil Réfugiés en Charolais, la Ligue des droits de l'homme, section de Gueugnon, la section PS de Digoin, le PCF de Saône-et-Loire, Europe Écologie Les Verts de Saône-et-Loire, le syndicat régional de la protection sociale de Bourgogne, CFDT, les Amigrants de Chardonnay, le réseau Éducation sans frontières de Gueugnon, l'association de solidarité avec tous les immigrés de Chalon-sur-Saône, la Fédération de Saône-et-Loire du Parti Socialiste, Accueil Migrants en Haute-Grône, Ligue des droits de l'homme section d'Autun, des citoyens membres du collectif Accueil Solidaire en Clunisois, la Ligue des droits de l'homme section du Creusot, et enfin la CGT et Sud Solidaire. Vous voyez que tout un système s'est mis en marche contre nous, mais nous allons leur montrer que nous ne nous laisserons plus désormais intimider. Nous avons le droit de nous exprimer et nous allons le faire. Nous sommes donc aujourd'hui sommés d'accueillir des réfugiés. Ces réfugiés, nous dit-on, fuient la guerre en Syrie et en Irak. Seulement voilà, mes amis, tout ceci n'est qu'un immense mensonge destiné à faire avaler une pilule qui passe de plus en plus mal. Parce que parmi ces migrants, moins de 2% viennent en fait effectivement de Syrie ou d'Irak. L'écrasante majorité vient d'Afrique et cherche chez nous de meilleures conditions de vie. La vérité est donc la suivante. Ceux que les médias ont complaisamment présentés comme des persécutés étaient en fait des migrants économiques. Et cet immense mensonge d'ailleurs des médias, il est apparu au grand jour lundi, quand la jungle de Calais a été évacuée. Que voyait-on sur les images? Qui voyait-on sur les images? Des hommes, jeunes, seuls et venus d'Afrique. Aucune trace des familles syriennes qu'on nous avait vendues. Ces migrants, ils sont rentrés illégalement en France. Et en bon français, on appelle ça des clandestins qu'il faut expulser. Ce sont des délinquants qui violent la loi avec la complicité de ces associations criminelles qui manifestent aujourd'hui. Criminelles, parce que co-organiser cette immigration illégale, alors que tant d'hommes sont morts dans la mer Méditerranée, c'est effectivement absolument dégoûtant. Ces migrants, s'ils n'avaient pas été encouragés à venir par nos politiques laxistes, auraient-ils tenté la traversée? Marine Le Pen au pouvoir, la loi appliquée, les clandestins expulsés, qui tenterait la traversée en Méditerranée? Combien de morts aurions-nous évité si nous disions la vérité, qui est que nous ne pouvons plus accueillir cette immigration? Nous n'en avons plus les moyens. Nous avons 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 3,5 millions de mal logés, 150 000 SDF français pour lesquels aucun gouvernement ne s'est jamais mobilisé. 2200 milliards de dettes. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Un agriculteur sur 3 vit avec moins de 354 euros par mois. C'est-à-dire presque autant que les migrants qui touchent leurs 11,45 euros d'allocation journalière. Des migrants qui d'ailleurs, eux, bénéficient en plus de leurs frais de santé qui sont remboursés à 100% et de l'hébergement gratuit en centre d'accueil, mais parfois dans des châteaux comme à Chardonnay, à l'hôtel ou en centre de vacances. La dure réalité, mes amis, c'est que notre peuple a dû subir beaucoup ces dernières années. Notre peuple a dû subir les déremboursements de médicaments, les baisses des prestations sociales, la dégradation des services publics, la stagnation de leurs salaires et la baisse de leur pouvoir d'achat, la perte de leur emploi et la fermeture de leurs usines. Oui, certains d'entre eux ont tout perdu. Et pourtant, droite et gauche demandent encore à ce peuple de se pousser un peu, de faire encore un peu plus de place. Soyez généreux, leur ordonne-t-on, comme s'ils en avaient les moyens, comme s'ils ne l'avaient pas déjà suffisamment été. Et quand nos petits, nos sans-grades, nos sans-dents et nos ploucs, comme ils disent, quand ceux-là leur opposent un refus, les voilà alors traités de xénophobes, islamophobes, racistes, et j'en passe, et des meilleurs. Eh bien aujourd'hui, il est venu le temps de dire non à ce chantage moral. Assez des insultes, assez des condamnations morales. Nous avons un cœur, comme vous, comme eux, mais notre cœur à nous, c'est un cœur intelligent. Nous sommes les véritables humanistes qui refusons les noyades en Méditerranée. Nous sommes les humanistes, nous, qui refusons de faire miroiter un Eldorado qui objectivement n'existe plus en France. Nous, qui avons conscience des risques que représentent ces nouveaux flux d'immigration. Les médias, les politiques, tous en chœur, avaient un message pour nous la semaine dernière. La présence de migrants n'a jamais entraîné aucun incident. La Voix du Nord, qu'on appelle là-bas la Pravda du Nord. La Voix du Nord, donc, avait publié le 17 octobre des articles rageurs pour expliquer que les migrants ne présentaient aucun risque. Le lendemain, la Voix du Nord publiait un article relatant l'histoire d'une jeune interprète qui avait pénétré la jungle ce soir-là, accompagnant des journalistes, et qui a été violée par 3 migrants. Ces 3 migrants, messieurs, dames, ils n'ont pas été retrouvés. Où sont ces 3 migrants? Où sont-ils? Eh bien, probablement, comme tous les autres, ils ont été répartis dans nos campagnes, peut-être même ici. Aucun incident, donc. Aucun incident quand les journalistes sortent de la jungle de Calais, le visage tuméfié. Aucun incident quand, il y a deux jours, 2 migrants sont arrêtés à Montpellier pour leur participation à des vols avec violence, commis en bande, en pleine rue et en plein jour, arrachant les bijoux de leurs victimes. Aucun incident quand, hier à Berlin, 7 migrants de moins de 15 ans ont été bannis d'une piscine pour des faits de harcèlement sexuel. Le père de la victime décrit une scène absolument abominable, avec des migrants qui nagent tous ensemble vers sa fille, l'entourent, puis la grippent agressivement. Aucun incident quand le 2 octobre dernier, un routier lituanien est blessé à l'abdomen à coups de cutter. Et franchement, je pourrais y passer beaucoup de temps, je pourrais évoquer encore bien des faits divers. Je pourrais parler des chrétiens qui sont martyrisés par les réfugiés musulmans en Allemagne, ou des rares homosexuels qui, eux, se font lyncher dans ces centres. Ou même, je pourrais vous parler de cette ville, Stockholm, capitale de la Suède, qui est devenue la capitale du viol depuis que la Suède a accueilli des migrants. Certains semblent également avoir oublié cet incident à Paris le 13 novembre dernier, que nous appelons un attentat islamiste, et qui a coûté la vie à 130 hommes, femmes et enfants. Parmi ces terroristes, nous n'oublions pas que plusieurs d'entre eux avaient emprunté la route des migrants. Nous n'oublions pas que le Front National avait prévenu avant l'attentat. Et nous n'oublions pas qu'à ce moment-là, nous avons été injuriés, insultés, traînés dans la boue. Vous surfez sur les peurs, nous avait-on dit. Mais nous avions raison. Récemment, lundi, en quittant leur camp de Calais, les migrants y ont mis le feu. Pas d'inquiétude, nous a dit la préfète du Pas-de-Calais. C'est une tradition chez les migrants. Et je vais vous dire, ce fait divers, il est très intéressant, parce qu'il sonne comme un rappel. Les hommes que nous accueillons par milliers ne sont pas des disques durs vierges sur lesquels on pourrait graver sans difficulté un logiciel français et républicain. Ces hommes, ils ont une histoire, une langue, une culture. Il y a d'ailleurs un nombre incroyable de rixes en Allemagne et à Calais, entre migrants, certes, tous de culture africaine, mais de culture africaine différente. Alors, vous voyez bien que le multiculturalisme, quand il se fait entre différentes cultures africaines, il est source de conflits. Mais alors maintenant, imaginez ce multiculturalisme quand il se fait entre leurs cultures africaines et nos cultures européennes. c'est un cocktail absolument détonnant. On a d'ailleurs déjà vu ces différences s'exprimer. À Cologne, à ailleurs, j'ai fait la liste de tous les problèmes que ces migrants posent. Ajoutez à cela le fait que la France, depuis maintenant 40 ans, a déjà accueilli des millions d'hommes et de femmes. Ajoutez à ça que la France a été généreuse et que chaque jour qui passe, on voit les dégâts provoqués par cette générosité démesurée. Communautarisme, attaque contre la laïcité, développement du fondamentalisme islamiste. Comment, dès lors, certains peuvent encore en redemander? Il faut dire stop, stop à la répartition des migrants, stop à l'immigration massive et stop à la dénaturation de notre pays, dont le visage change à vitesse grand V. Face au système coalisé s'il le faut, désormais, on ne recule plus. Vive Marine Le Pen, vive la République et vive la France! Vive le Front National! Vive Marine Le Pen!